Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers fans de Je Communique TV. Alors avec vous, monsieur Youssef Dalal, je vous propose maintenant une activité vraiment très intéressante pour vous, pour apprendre la langue française dans 5 minutes, seulement 5 minutes. يجب عليكم أن تعلموا اللغة الفرنسية أقل من 5 دقائق من خلال السلسلة الممتازة. إذن سوف ننطلق إلى النشاط التالي خاص بالتركيب أو ما يسمى بالفرنسي grammaire. Dans les phrases suivantes, souligne les groupes nominaux et encadre le constituant facultatif, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif épithète. Il faut savoir qu'il existe trois types de constituants facultatifs des groupes nominaux. Il y a l'adjectif qualificatif épithète, surtout, ça veut dire qu'il se place soit avant, soit après le nom. Il y a le complément du nom, il y a la proposition relative. La proposition relative, ça veut dire qu'elle commence par un pronom relatif qui ou que. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le constituant facultatif? Ça veut dire qu'on peut effacer ou déplacer. Supprimer, veut dire. Alors, il y a aussi le constituant obligatoire qu'on ne peut pas toucher. Alors, on va lire maintenant les exemples pour comprendre. On voit une épaisse fumée. Je connais un vieux manoir. Nous avons réalisé une bonne affaire. Ils entrèrent dans une vaste pièce. Les hommes préhistoriques vivaient de la chasse. L'enfant distrait n'écoute pas. L'abbé vitré donne sur la piscine. D'abord, il faut souligner les groupes nominaux. On va commencer par une épaisse fumée. Un vieux manoir, une bonne affaire, une vaste pièce, les hommes préhistoriques, l'enfant, la baie vitrée. Et on va encadrer bien sûr l'adjectif qualificatif épithète, ça veut dire le constituant facultatif. Comme exemple, épaisse, c'est un adjectif qualificatif épithète. Le masculin c'est épais, qui vient d'épaisseur. Un vieux manoir, un vieux, c'est le contraire de un nouveau. Une bonne, bonne, c'est un adjectif qui épithète aussi, qui se place avant le nom vaste, c'est-à-dire très grand, préhistorique aussi. L'enfant, non, oh, de la chose, on a oublié la chose. La chose, c'est un groupe nominal aussi. L'enfant, la baie vitrée, oui, vitrée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le mot épaisse, vieux, bonne, vaste, préhistorique, vitré. Je recommence encore une fois. Épaisse, vieux, bonne, vaste, préhistorique, vitré. Alors, c'est ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif épithète. Je recommence encore une fois. Le constituant facultatif, c'est-à-dire qu'on peut effacer, qu'on peut déplacer. Par exemple, l'adjectif qualificatif épithète, c'est parmi les constituants facultatifs du groupe nominant. On peut effacer épaisse. Par exemple, on voit une fumée, un manoir, une affaire, une pièce, les hommes, mais on a besoin de ces adjectifs qualificatifs pour donner une précision sur le nom, une information. Une qualifie ou non, tout simplement, il qualifie ou non, l'adjectif qualificatif, et peut-être il qualifie ou non. Et lui, avec le nom, construit un groupe nominal. Voilà, une épaisse fumée, un vieux manoir, une bonne affaire, etc. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai déjà souligné les groupes nominaux qui existent dans ces phrases. Et je précise exactement le constituant facultatif. Qu'il faut savoir, il y a trois éléments. L'adjectif qualificatif épithète, c'est le contraire de. C'est le constituant facultatif, c'est tout à fait contraire de l'adjectif qualificatif attribut, qui est obligatoire. Alors, il y a aussi complément du nom. Prochaine activité, on va voir le
complément du nom et proposer un relatif. Ça veut dire qu'il commence par un pronom relatif, soit qui, ou que, ou il. Voilà, 5 minutes s'est déjà coulé. Au revoir.